Cake. T'étais en vacances? Pas du tout, mais on avait beaucoup de taf cette semaine. Donc j'étais vraiment très occupé les matins. Et au final, mercredi, jeudi, on était en événement, donc j'étais full occupé. Et hier, pareil. Non, on avait une assez grosse semaine là. Ah, gagner les élections. J'avais dit dimanche dernier, j'avais dit que cette semaine je streamerais le week-end et lundi quoi. Mais c'est une bonne semaine, c'est une bonne semaine, je passe un bon moment. C'était bien. Ça gagne beaucoup d'élections, mais le bilan politique n'est pas terrible. Oui, mais c'est que les Français nous refont confiance à chaque fois, quand même. Les Français nous refont confiance, et je les remercie de leur confiance. Voilà. D'ailleurs, j'irai demain matin à la rencontre des Français sur les marchés. Sur les marchés du Kremlin-Bicêtre. Si vous voulez venir à ma rencontre, n'hésitez pas. Lonely week. Je vais avoir une Nico si je fais ça. On est content d'avoir une Nico ou pas? On est content, hein. Nico, on adore Nico. On aime, on adore quoi. Ah, quand le crabe te tue, c'est ouais, c'est affaiblissant, je suis d'accord. Bon, ça va y roll, je crois. Je crois que ça va y roll en légende, les gars. J'ai Koboko au cas où on me donne l'augment de fortune, mais. Je vais prendre le full remover sinon, ouais. Pas mal en vrai. Ça on est pas. On peut servir, on va lancer le game, je pense. With my team. Pas de tir pour Blue Buff. Oh la vache. Bon, on va pas push parce que dans tous les cas on attend la paire de Kog'Maw et la paire de Malphite, mais par contre j'ai une envie de pisser absolument démoniaque, il faut que je joue le Lisa. Est-ce que je peux aller pisser maintenant? J'irai après la prochaine Mi-Kog? Non non, Mi-Kog en vrai. Clairement Mi-Kog en vrai. We were two. À chaque fois que je débarque sur ce stream cette semaine, c'est Kog reroll. Bah ça tombe mal, j'ai stream qu'une fois cette semaine donc. Pisse sur le tapis. Ils ont pissé sur ton tapis, Luc. Ça me donne envie de retourner en Californie cette histoire quoi. Vivre la vida loca du duc quoi. Franchement, je me vois bien m'installer en Californie un jour et vivre comme le duc quoi, tu vois. Mais faut juste qu'il y ait un narrateur derrière moi pour raconter ce que je fais quoi. Sinon, c'est moins bien sinon. Ta di da doom. Kog'Maw, Malphite. Malphite, Kog'Maw. Malphite. Pira-pira-dum. Peut-être push en fait, on joue à la win streak à Zinik. Ça va jouer la win streak en légende en vrai. On a une belle sortie là quand même. Je vais pisser, j'arrive. C'est leur voir des Russes blancs? C'est pas grave, je peux voir des Russes blancs. Le White Russian.
En vrai, on a quand même une sortie pas piquée des hannetons là quand même. Not picked from the hanton comme on lit. Bon, on peut tout ça, mais j'ai le remover infini, cela dit, en vrai, je sais pas pourquoi je me fais chier. Vive la gauche! Et merci beaucoup, Shadosh! Merci beaucoup! Le socialisme! Bravo! Merci, Shadosh! Comment ça va, Shadosh? Un petit discours pour cet adorable sub-gift. J'aurais bien pris push, mais on va garder les deagles là quand même, on est comme ça nous. Le bénéfice avant tout le chat hein, bien sûr. Écoute très bien Shadow. Donc j'ai un faible pour la baguette, hein. Je peux vous mentir, la baguette a 3 gold là. Juste la main Morello sur Kog'Maw en légende. Après lui il fait déjà un anti-heal mais bon. Morello dans cette compo, ça il y a des persos qui le portent bien, c'est pas un problème dans l'absolu mais. T'as juste sniper tiens. Allez je slam ok. L'idée serait de garder la win streak. Je me demande si on peut pas aller jouer une Piba en partant de ce spam parce qu'on a tellement d'upgrade. Upgrade. Les sucres. Y'a pas un donjon sur WoW qui s'appelait Utgrad à Wotelka. C'est old. C'est quoi comme type de jeu avec Chirac? C'était un des donjons du Duar, c'est ça? Ça me dit un truc, ouais, ça me parle en vrai. C'est avant. Oh, bon, attends, il y a une Annie qui vient de pop là de Out of Nowhere. Attends, mais légendaire la Annie, en vrai, on en parle pas assez, mais. 4 relances gratuites pendant cette manche? Ça fait pas mes affaires ça, parce que moi j'ai déjà tout qui est upgrade en fait. Donc les relances gratuites pour moi, c'est. Bon, ça va, j'ai une upgrade de plus. Bon, là, ça sert à rien, j'ai le remover infini. C'est pas spécialement ouf pour nous en fait, les relances gratuites là tout de suite. On a eu une upgrade, tu vois. Ah, c'est le donjon d'Utgrad, c'était. Yeah. Ça. Ma mémoire ne me trompe pas. Et oui, j'ai stream malgré ma partie de beer pong hier, bien sûr. Si vous voulez voir mon niveau exceptionnel au beer pong, je vous renvoie à mon Instagram. Vous pouvez voir à quel point j'ai un doigté exceptionnel pour le beer pong, quoi. Je suis sûr qu'il a trouvé plein d'upgrades alors qu'il avait pas les upgrades quoi. C'est pas mes affaires cette histoire quoi mais bon. On va quand même gagner je pense parce qu'on a énormément sur le board. Après la Nico 2 est un bon boost pour ma compo hein, whatever. Je préfère 20 aussi en valant cette Annie hein. Mais Annie je suis chaud pour la rentrée quand même en vrai là. Je la sens bien. Ouais mais nous on fait pas trop dans les jeux pas e-sport à peu près Chirac hein, j'avoue. C'est pas trop notre truc hein. Bon j'ai encore Annie qui fait de l'antile. Le Morello va commencer à être sus mais bon. Après Annie elle est pas amenée à rester longtemps non plus dans la partie Ça va faire un statique là. Ok, le palier des 30 il est cool en vrai. Kench. C'est qu'on aura forcément Lilia into way en fait dans cette partie très facilement quoi. Si on veut jouer mythique. Après est-ce qu'on veut vraiment jouer mythique. Est-ce que je rentre Annie like an animals. Je suis plutôt chaud en vrai hein. Et si je gagne je pourrais vendre Kench.
Ring, ring, rock and roll. No particular place to go. Et il a eu deux le mec en face quand même. Hein. C'est quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un dans l'e-sport lui. C'est quelqu'un dans l'e-sport. On se refuse à rien, hein, on peut le dire. Ah oh, bah Ali qui fait à faire des dingueries là-bas. Bon, je vends le Kench, hein, fait 30 ans. Pa pa pi pa la. Là, il faudrait une augmente de board en fait pour continuer la win streak. Peut-être soutien en vrai. Allez, je prends de soutien, vas-y, je le sens bien. Ouais. Particular place to go. Bon, on va faire un truc comme ça. On va pas enchanter les masses, mais bon. Ah, c'est le Kogbo 3. Lui, les 4 rolls gratuits, ça l'a grave arrangé, je pense. Hein. Tu vois, les spades avec le remover, c'est top. Bon, parce qu'en vrai, t'as pas besoin du remover pour l'utiliser à bon escient, tu vois, en soi. C'est overkill le remover pour ça, tu vois. C'est jusque là, comme on a un win streak, on veut vraiment garder la win streak. Donc, si je prends tout doit disparaître, ça m'aide pas du tout à garder la win streak, tu vois. Donc, là, comme le but c'est de garder la win streak, clairement, on va pas se faire chier avec, avec des augmentes économiques, quoi, tu vois. J'ai déjà de la thune, j'ai déjà haut en level. Bon. C'est vrai, tu penses à Kura Matata? Ouais, j'y crois alors. Trust, c'est le top 1 celle-là. J'ai même entendu, dans le fond de la salle, j'ai même entendu des gens murmurer le top 1 sans HP quoi. J'ai entendu ça. Je ne confirmerai rien pour le moment, mais j'ai entendu des gens en parler. Tout ce que j'ai à dire quoi. Every day. Ouais, il a pas eu les deux, putain, il a roll comme un gueux d'un bordel, hein. Mec, il a 10 gold, hein. Ça sent le mec qui a roll, roll pour 3 Yone 2, ça où je m'y connais pas. Ah, il est en open exalted, lui. Ah, la Lux, elle est placée de manière casse-couille, là, en vrai, quand même. Hein. Elle a essayé de transpercer mon cog. Ça va, y a du perso devant. Ça va le faire, je pense. Après, l'archange, le prochain cast va faire mal, hein. Est-ce que le prochain cast, elle le one-shot ou pas? Non, ça va. Et on arrive au cac. Prochain cast, il meurt, mais bon, il a eu le temps de proc le statique moult. Oh, il a dodge. Quel intellectuel, quoi. Il a dodge le skill shot de la Lux. Il est bon, ce crapaud, il est bon. Je fais un spell crit là. On va partir en spell crit, je crois. En tout cas, je vais level up juste pour rentrer Arcaniste, allez. Les 20 d'AP, ils sont pas piqués les Anton. Toute ma team profite pas mal de l'AP en vrai. It will be not picked from the Anton, comme on lit. One tonight, I got a one one run, the run tonight. C'est un kill fear, ton parquet va bien, ça tout va bien. Le parquet va bien.
Je vais prendre, je pense, hein. Ça me saoule de prendre, mais comme je suis en win streak, je vais aller ma streak en vrai. Ça me fait chier de cliquer dessus, mais bon. J'ai clairement cliqué dessus comme un animal, hein, rien à battre. Hein. T'as mon Shogat, c'est quelqu'un dans l'esport. Hein. C'est quelqu'un ce Shogat. Hein. On va avoir une Illaoi forcément après ce fight. Wrong tonight, it is one, one, wonder, one tonight. Si à tout moment on joue la Piba Azir Kari en vrai, hein. Ça ressemble à. Bon, il faut toujours Diana Soraka comme dans toutes les Piba du set. Et après, tu passes avec Tokat Cost, il y a Ornn, il y a Annie du coup. Et après, c'est que des légendaires. Hein. Wei, Azir. D'ailleurs, le Wook, de Rakan et Udyr. Comme je suis en full win streak, faut juste faire un Shojin pour Azir, quoi, c'est tout. Enfin, une TMAP, quoi. Casque adaptatif, sinon. En tout cas, j'ai Lilia en attendant le cas échéant. J'en ai marre deux, du coup, en vrai. Franchement, là dans mon setup, le remover infini il est légendaire, hein, on va pas se mentir. C'est rare qu'il vire, c'est vrai. Deux épées. Irelia, on va pas la jouer, mais bon. Je ferais bien un passage par. Bon, déjà, faudrait que j'entende un cinquième mythique à la rigueur, quoi. Un petit passage par Lilia 2. J'ai pas envie de roll trop non plus, mais. Je cook bien dans cette game quand même. Hein. Ça cook, hein. Ça overcook dans cette partie. Ça cook, ça cook! Bon, y'a un monde où mon Kog'Maw 2 était mieux que ma Lilia 1, mais bon. Non, je pense pas quand même. Ah, c'est vrai qu'on a, on a lâché des petits rolls, ça aurait été bien de trouver Lilia 2, mais bon. C'est pas grave, ça va le faire. De toute façon, là, faut clairement qu'on aille 9. On a roll pour essayer de garder la streak. Et, bon, pour la game sans HP, on va se mentir aussi, hein, la game sans HP, la mythique game sans HP, bien sûr. La légendaire game sans HP. Mais là j'y crois, hein, y'a un monde où 11 victoires d'affilée, ça commence à être serious business pour le coup. Là, faudrait une augmente décisive en dernier augmente, tu veux une augmente qui nique des MR, quoi, tu vois. Y'a que les lingueries en vrai. Hein. C'est gangant. Hein. Pour la Piba, c'est légendaire. Hein. Y'a que des dingues là pour le coup. Prochain carreau, objectif gant, idéalement. Non, le Wukong était un bon perso à trouver. Rakan serait un bon perso à trouver aussi là. Ok, je suis pas encore sur Rakan, tu me diras. Bof, du coup. Oh non, mais je me jure qu'on va faire la game sans HP. Non, mais In my book c'est déjà fait, même en vrai. Je dirais même que c'est déjà la game sans HP là. For a daydream. Si on avait eu Lilia 2, ça aurait quand même facilité les choses, mais bon. On a pas eu la Lilia 2, malheureusement. Trust, trust.
Vous te restez ou pas la GameStar HP le chat? Moi je pense que c'est chaud, moi je pense quand même, mais bon. Je semi-trust. Il a Kaisa 1, Galio 1. On peut le battre, je pense, en vrai. Ouais, ça peut clairement le battre, hein. J'ai eu ma Diana 2, c'est cool, en vrai. Je vais pas pouvoir roll jusqu'au Corbin, donc. What did it for a daydream? Je trouve que Soraka, il y a un monde où on dégage Kog'Maw plus Bard en vrai. Ah, ouais, c'est légendaire, oui, mais bon. Je suis la speak si on peut avoir un gant. Franchement, si on peut avoir le gant sur Garen, ça me va, franchement. Hein. Franchement, le gant c'était l'idéal modulo une très grosse légendaire. C'est vrai que j'ai que ketchup, j'avais oublié ce détail quoi. Pas mal ça. C'est un peu la pauvreté quand même, hein. C'est un peu beaucoup la pauvreté. Il vient de passer en 6 fantômes lui avec petit mais costaud. Je pense qu'il me bat, je pense, ATM. Avec ma Lilia 2, avec une Lilia 2 je pense que je le bats, avec une Lilia 1 je pense qu'il me casse le cul, je pense, en vrai. Malheureusement. Je taguais son fantôme justement. Il y a quand même un gros monde où il me bat, non? Mon Shogat tombe vite, hein. Mon Shogat tombe bien bien vite. Bah, ça joue en vrai. Y'a match. Il y a eu qui a réussi à recaster. Non, fais chier, non! Bah, j'avais dit que ça allait être chaud. Il y avait match, mais. Et là, il y a deux, vous allez voir. Typical, non. Ça. Typical TFT quoi. Dommage qu'on ait pas trouvé Lilia. Allo? C'est vrai qu'il y a quand même un mec, il y a quand même un mec dans la ligne de code, il a mis que WQSS c'était les systèmes optimes pour Wukong, hein, quand même. Hein. Parce que les systèmes ils ont choisi, tu vois, c'est pas random, tu vois. Enfin, c'est random parmi une liste de trucs choisis, quoi, tu vois. Il y a un mec qui a décidé que WQSS c'était dans les trucs optiques, quoi. Très bien. Moi je pense qu'il était bourré. Hein. Moi je pense qu'il était en train de boire un old fashion, je pense. Old fashion, clairement, tier S dans les cocktails, hein. En tout cas, quand vous voulez faire le Rika, faut aller au bar et commander un old. Par contre, le old fashion, ça ne se bat au cul quand t'es assis au bar, quoi. Voilà. Quand t'es pas assis au bar, faut pas commander de old fashion, quoi. Mais quand t'es assis carrément sur le bar, tu vois, au comptoir, là, faut commander un old fashion, quoi. Ça fait très Rika, là, très Rika pour le coup. C'est le même mec qui a mis le thème à 34 secondes. C'est clair quoi. Y'en a qui voulaient nous faire du mal, je pense. Sou. Be my baby. Ouais, comme je suis plus en win streak, je cheat encore un fight. Hein. Alors, vous allez me dire, j'ai le remover. Hein. Mais c'est des persos que je vais juste pas jouer en fait. C'est pour ça que je les remove. Hein. C'est pour ça que je les ai vendus quoi.
Se préparer à la transi, quoi. Ah non, l'exalté, il est loin, j'ai regardé. Il est proche, mais il est loin, quoi. C'est beau, mais c'est loin, comme on dit, quoi. Be my baby. Voilà, on va jouer à la nouvelle Piba à la mode. C'est parti. C'est que j'ai que 4 slots hein, par contre. Hein. Sympa les rôles, hein. Cake. Je fais rigole. On aurait pu laisser Lilia plutôt que Cog, non? C'est vrai. Oui, c'est vrai que c'était mieux quand même. Cog, c'est Azir en fait. Mais en gros, il manque que Azir là. Et bon, le Udyr. Mais bon. On dort quoi. On mettra le Gangan de Diala sur Ud du coup. Parce que c'est Azir le carré principal de la comp en vrai de vrai. Be my baby. Il a inventé Raka aussi. Oui, c'est Malphite qui saute pour Raka, pour altruiste. Cake. Ok. Je suis personne dans la case, je suis un connard. C'est bon, j'ai stacké la case. Il y a elle qui saute aussi en vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a elle qui saute aussi. C'est pour une notamment quoi. Bon, ouais, je peux pas le jouer lui, on va pas le vendre. Na. Hey. Bon, si on trouve pas Azir, je vais tirer la gueule par contre, hein, je vous préviens. Par contre, fallait remove le Gangan pour lui dire, c'est pas grave. Hey. Alors, y a pas de lien pour la playlist, c'est simplement mon algorithme Spotify qui met des musiques aléatoires en fonction de mes excellents goûts musicaux. Tout en modestie, bien sûr. Mais mes remarquables goûts musicaux. Putain, j'ai tanké en face, hein, parce que j'ai touqué 1, j'ai pas encore assez de dégâts, mais bon. Quelle misère, quoi. Franchement, le Rabadon il est zinzin, mais bon. Tac. Je vais te prendre Way. Oh, j'ai pas de pistolet à moi au final, quoi. Enfin, ni deux. Si on a pas Azir, ça va le faire par contre. Hein. Ça valait le coup de passer niveau 9, moi je te le dis. Hein. Hey. Di-di-di-di-di-di, hey. Je pense que Rakan, c'est littéralement le perso que j'ai le moins envie de mettre dans la case. Hein. Parmi mes légendaires. Mais... Alors, je dis pas ça pour me plaindre, mais c'est pas mon genre de me plaindre, vous savez. Quand même un petit peu, quoi, tu vois. Me plaindre de manière raisonnable, quoi. Après, bon, c'est moi qui ai sacrifié un shop pour 3 items. Donc bon. C'est un choix, c'est un parti pris politique, si j'ose dire, quoi. Ah, une rencontre. Malphite retire les objets de chaque unité pour notre banc. Non, mais vraiment. Donc là, le jeu vient de dire Tank, on te donne gratos une augmente mort, c'est ça? Exactement ça, Jérémy. Super. Annie 3, Pog. Ah, super. Bon, on va lock jusqu'à. On va lock. On va pas lock, on va juste remettre dedans, quoi. Le jeu me troll, hein, je crois.
Je prends l'access backlane que j'ai entre Lilia et Wei. En train de défoncer sa Kai'Sa 1. Non, il y a deux sa Kai'Sa en plus. Sa Kai'Sa est morte, ça y est. Pouf! Merci l'access backlane. Avec Azir, ça aurait été encore mieux, mais bon. Le jeu a décidé que j'aurais pas Azir, apparemment, c'est pas grave. On fait contre moi, on fait avec. Contre moi, sur une bon cœur, quoi. Ah, c'est sûr qu'on allait le payer les 4 shops à un moment donné, mais bon. C'est pas la mort, ça va quoi. Udyr. Bon. C'est vrai qu'il y avait ça, j'avais oublié. Ah, j'ai enfin trouvé Azez. C'est trop fort en vrai, c'est mieux que cette canasse là. Don't stop. Je pense que le mieux c'est de faire ça. Tac. Donc. Est-ce qu'il n'y a pas un Azir à mettre dans la case plutôt qu'un Ud, tant qu'à faire. Bah, je serai qu'à 1, on s'en fout. Oh les rolls, mais les rolls. Non mais les rolls de l'angoisse quoi. Les rolls de l'angoisse totale et radicale quoi. L'angoisse absolue. Azir c'est légendaire comme perso. Hein. Et pourquoi je fais 0 dégâts à sa team? Attends, mais je suis quoi lui en fait comme daddy machin là? 7 prédestinés? Ouais, putain, il est si tanky bordel quoi. Après, moi ma team elle est tanky sa mère aussi. Hein. Mais, attends, mais pourquoi? Pourquoi? Non, mais c'est full régène en fait dans sa comp avec le truc de 7. Attends, mais c'est un truc de fou comment je fais 0 dégâts à sa team qui est en full régène. En même temps, il a pas Felios 3 donc la Felios il fait un coup. Ah, oh, mais what the fuck, il va casser le cul bordel. Je suis abattu quoi. Ouais. Ouais ouais ouais. Il a pas de spat mais bon. C'est vrai que j'aurais bien aimé passer deux. Mais là elle passera jamais deux par ce moyen là. Dur dur comme game hein. En même temps j'avoue qu'on on avait tellement de gold au 9. Et enfin, je viens seulement de trouver ma deuxième légendaire. Et mes deux carries sont toujours pas upgrade quoi. Donc c'est vrai que ça commence à devenir excessivement problématique cette affaire. Extrêmement la merde plus plus quoi. Et lui il a combien de hoche, what the fuck quoi. Non, mais il y a tellement de régène. Oh là là. Non, surtout qu'il a spat divin en fait, j'ai pas ouais, il a spat ouais. Du coup en vrai il régène avec divin aussi. Ouf. Je vais gagner mais à quel prix quoi. En tout cas, ouais, vu la différence d'HP, il est one of Yone 3 par contre. Avec Yone 3, il me casse la gueule. Hein. Lui non plus, il a perdu un shot à ce niveau-là, quand même, pour le coup. Hein. J'ai sûr d'avoir un carry qui passe 2, c'est possible ou c'est mort? Oh là là, oh là là, Marie Charlotte, quoi. Marie Charlotte. Donc là, je vais le taguer lui, il va me défoncer avec sa compo de mort, là. J'ai Udyr 2 depuis tout à l'heure contre lui en plus, mais bon. Pas sûr que le Udyr 2 suffise à faire des dingueries quoi. J'aurais dû mettre Udyr de l'autre côté pour qu'il fonce directement sur la backline chez un canard en fait. J'ai mal placé mon Udyr là. Ah, mais il dash pas au bon endroit ce con d'Udyr quoi. Non, mais ça, non, mais vraiment, non, mais c'est un truc de fou comment il est tanky. Non, mais j'ai jamais vu une compo prédestinée aussi tanky par contre, hein, vraiment. C'est zinzin quoi. Bon, non, mais je leur mets Morello sur la gueule comment il régène autant à chaque fight. Ah, ça me saoule. Ça me saoule. On dirait jamais à l'overtime évidemment, si on y est là, mais bon. Ah, je veux mourir le chat. Je veux clamser.
Ouais, la SPAT est bien pour moi aussi, mais bon, je joue le Wukong 2 en vrai, c'est possible que. Et du coup, il pourrait être en 7. Il est en 7 divin du coup. Après, il a déjà la SPAT, donc c'est un peu moins fort quand même, mais bon. C'est la guerre, cette gamin. La guerre! Encore une fois, hein, mes deux carry sont Wei et Azir sont restés niveau 1. Donc. Il a pas trouvé les 3, donc je pense qu'il y a un moment où on le bat quand même, mais bon. I'm a wonder. Ok, j'ai cassé la gueule à ce mec-là. Donc normalement il meurt. Moi je suis top 2 au moins. Wonder. Putain, c'est dinguerie cette game, bordel! Ah, c'est mort, ouais, hein, il a fait Yos 3. Oh, franchement, là, mon Udyr, il a été faire le placement que je voulais qu'il fasse, mais il s'est quand même fait one shot. Le Wukong, il est bien aussi là, mais bon. Ah, franchement, après, bon, le Udyr, il s'est déporté du mauvais côté après ce bâtard quand même. Bon. Mais sans à peu près les stylés, franchement. Après, bon, voilà, sans Azir 2, sans Wei 2, j'ai jamais eu le burst pour le battre lui, quoi, concrètement. Les autres, ça allait, mais lui, il était trop vénère, what the fuck.